acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Merci de vos nombreuses questions que vous m'avez envoyées. En tout cas, je suis très très ravi de la réaction, de vos réactions sur l'émission, les deux émissions passées où nous avions parlé. Beaucoup de questions, on me parle, on me demande si je suis contre Tshisekedi ou bien je suis contre le président de la République. Non, je ne suis pas contre un homme, je suis contre un système. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du mauvais côté de l'état de siège. Nous allons parler de l'impréparation sur l'état de siège. Nous allons tourner autour de l'état de siège qui est en train de rester comme un slogan. J'en avais déjà parlé, mais aujourd'hui, je vais vous éclairer encore une fois de plus sur cet état de siège où le militaire est là et il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. On ne sait pas, en fait, le vrai militaire, le militaire congolais qui est posté dans l'état de siège, il se retrouve en train d'être embarqué dans des combines parce qu'il doit rentrer à Kinshasa avec quelque chose. Et donc, il doit, sa poche doit aussi commencer à fleurir, quoi, parce qu'il est à l'est où on ramasse de l'argent et les tueries, les massacres ne termineront pas. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par Election.net. Ituri, en plein état de siège, une trentaine de civils pris en otage par les ADF. Insécurité à l'Est, il faut doter l'administration territoriale des moyens adéquats. Félix Tshisekedi parle. On va sur Actualité.cd. Le sénateur Cheo Kitundu appelé à une concertation interinstitutionnelle pour régler la crise au sein Kourou. Assemblée nationale, d'après Eliezer Tambwe, leurs collègues impliqués dans le dossier Bukangalonzo tiennent à laver leur image. Congo profond. Affaire Bukangalonzo, Louise Munga et René Lumbu seront jugés avec leurs immunités. Recensement, plaidoyer pour l'intégration des chefs de riz et groupements dans l'opération. Ça, c'est une interview qu'il faut lire absolument. 7/7. Ici, des éléments phares de ces déployés dans l'Est seront bientôt formés par les officiers militaires belges à Kindu. Et Ituri, toujours plus de 30 personnes prises en otage à Boga. On va sur Radio Okapi pour terminer.
Félix Tshisekedi dit séjourne encore à Goma. Et puis, Ituri, les veuves de militaires réclament 25 mois de soldes de leur mari décédé au front. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, messieurs et messieurs, le président s'est séjourné à l'est de la République démocratique du Congo. Il est passé par là, il est parti sur le terrain lui-même, il a constaté ce qu'il a constaté, et c'est dans cette déclaration que vous sentez que non, quelque part, les vérités commencent à se connaître. Donc, on se pose la question, mais est-ce que le président connaissait ces histoires ici? Est-ce que s'il connaissait, il ne pouvait pas réagir de la sorte? C'est-à-dire, ceux qui ont préparé cette idée-là de l'état de siège sont venus avec de fausses informations. Parce que le président est resté oasif. Bandugiangu, mina wambia kama mkubwa wa inchi iko entouré na batu moya, bale bale venye biko wanatuwa ngambo wa est. Je disais ceci, bande konangai, président de la République aza entouré na batu oyo, baza kope sa yeba fausses informations dans le but de le faire tomber. Parce que Moutou Oyo Azakokikozala, pour le président de la République, il ne peut pas lui donner ce genre de formation. Ou bien Azakopé, c'est une information, il y a soloté. Bah, information, non, son président Zanango, il constate qu'il y a une certaine écart, Nababiloko et ça sur le terrain. Bon, dans la vie, nous sommes tous côté à Goma. Ce qu'on a Goma, le grand problème, tu vas trouver les gens qui vont t'accueillir, mais bah toi, tu vas accueillir au baza banani. Na kati ya armé mobimba wana, 75% ya ba commandant ya ba territoire nyonso wana oyo ba massacre salemaka, eza ba tu ya ethnie moko. Excusez-moi le terme de ne pas prononcer cette, le nom de cette ethnie. Eza tribu moko wana kaka itini wana nde ba commandant ya ba camp militaire, ba commandement ya ba unité belé eza batu wana. La population sait. Population wana eyebi. D'ailleurs, na mission na bandeli awa bozoyo ka voice moko eza ko circuler. Ça c'est vrai, ce sont des réalités, mais il y a encore beaucoup plus que ça. Je ne sais pas si j'ai mis ça à Nanani, mais na kota la bino voice wana. Bana ya Congo, l'ennemi est partout. Pourquoi est-ce que l'ennemi est partout? C'est parce que justement, tozant na à mesure ya ko contrôler problème, ya ko se contrôler te nous. C'est la jungle. Jungle za na roi te, jungle za o aza makasi alié moninga. Bandeko, le président ne s'était pas préparé pour diriger ce Congo. Parce que Yemoko Ayebi Congo ya ngote. Il ne connaît pas. Parce que s'il connaissait, Moutoua koya koye le lokuta koye bisete ke makambo kuna esale makabongote. Je ne dis pas que le président doit connaître tout, mais il faut zala na vérité. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un oyo mutumoko oyo akozala influençable. Parce que batu oyo baza koya kopesa ba information pona koloba ke non makambo eza boye sur terrain. Baza kokosa ye. Et à grand ouvert, il n'a pas le moyen de contrôler. Il ne peut pas faire un contre un. Donc, confrontation ya babiloko oyo avant qu'on soit décision. Parce que batu moko wana, baza batu na ye, ils ont compris comment ça fonctionne. Ce sont eux qui sont en train de le nourrir na kotia ye na ba désespoir. Qu'est-ce qu'il faut faire na état de siège wana? Nous avions dit qu'il n'y avait que deux solutions. De part à Monisco, na cantonnement ya ba policier na ba soldat nyonso o baza na opération kuna. Tu ne peux pas aller avec le même soukola, un soukola de poids qu'on s'en a un état de siège et qu'on produit l'eau comme au côté. Parce que tu as un peu de réputation, il y a phare de Sekouna côté à Nani. Phare de Sekouna, et ça n'a pas tout. La population sait que tu as un peu de temps pour la tribu Nini. Bande Kobamboro, on va s'en a côté à Ituri Kuna. Ils viennent balobi baza batu ya banyabwisha. Abwisha, on ne les connaît pas. Et on est en train de
exigé au gouverneur à signer ba feuille de route pour que ba tuana ba kenda c'est depuis Jimmy Paluku. Oh ba tuana ba kenda koluka bilanga na Ituri. Bien sûr ata soki Ituri eza peuplété, mais il faut quand même que ça soit dans l'ordre. Il faut ça dans l'ordre. C'est pour cela que nga na za koyeb sabino na lobi tout ce que nous faisons. Ça, c'est rien, nous sommes en train de passer le temps inutilement. Je vous avais dit ceci, quand il y a une émission, on est dans la tête de cette bande. Pour Nanini, que nous sommes très mal partis avec un président qui est inutile, président Oya Yebi Eloko Mokote, Azana vision et Mboka Oyote. Cette mboka na biso eza ko senga ko reconstruire yango totalement de A à Z. Et la reconstruction doit passer par une certaine batuba yokana. Unité nationale, l'unité nationale est très très importante. Et kozwa mandenge nini, le président n'a pas ce plan là. Ayebi eloko wana te. Parce que eloko tozo kende, nanzela tozo kende ka kobongi sa problème moko moko. Le Congo a des milliers de problèmes. Toko bongi sa ezali. Or, il faut faire un plan général. Eloko otoloba ki ke, il faut kobuka yango na benga ki président na lobela ki na lobi président pardon to bandela a zéro. C'est ça la solution. Makambo oya kokenda kobongisa justice pendant que misale ezate pendant que ba miibi bazali ebele okokende ono to sala boye tout ça eza kolakisa kaka ke oyebi solution ya mboka otele Tshisekedi ne connaît pas la solution avec le pouvoir dans ses mains, mais il n'a pas de solution. La solution c'est quoi? La solution c'est de reconstruire le Congo. Tout bande langue à zéro, tout yebi sabatou bande koto ya ko sala, tout batounim, tout vend ensemble pour tout sala mboka, tout bongisa mboka na biso. Avec système otoza ko sala, eza ko perpétuer système ya kala. Nous voulons prendre le système ya kala, o ya ba kabila, ya ba mobutu, tozo meka kotindi ka Congo, Congo isi eza susu na ba pine, te ba pine si eto boka. Ba pine de eza base na biso oyo, eza ko sala ko roule ekonomia mboka na biso. Nous continuons à nous entêter parce que ba oyo baza ko tire ficelle na mboka oyo, Bazako linga ke toza la ka bongo. Mais le président ne peut pas comprendre ça. Il ne veut pas comprendre. Ou que les gens qui l'entourent ne veulent pas comprendre ce que nous puissions reconstruire le pays. Le pays doit être reconstruit à partir de la base. Babilo ko état de siège attend en dengue boulouke ke zo ke nene wana. Eko simba kate ba tu baza mécontent. Nous avons besoin d'un quelqu'un qui dira parlement bovanda. Sénat Bovanda, Batounion so au gouvernement, Otoza Kosala, Ezapona pour reconstruire. L'objectif c'est quoi? C'est l'unité nationale, c'est que revaloriser la base. Base Kakande Mutekope sa yo pouvoir président de la République. Ce n'est pas les routes que vous construisez qui va construire le Congo, non. La nation c'est d'abord l'homme congolais. Vous savez pourquoi Kabila Lobaki Kazana 15 personnes t'es? C'est parce qu'à un certain moment, il y avait un écart avec ses idéaux, avec sa volonté. Les Congolais l'embrouillaient. Moi, nous connaissons, nous étions pas avec le papa. Tant que nous avons eu 96, soit en Bukavu, nous avions eu cette opportunité. Il y a Kosololana, Musée Laurent. Le petit est venu aussi ne connaissant rien à Kokotana, Kokota Kaka. Dans la cage des lions, des gens qui ne veulent pas construire ce Congo, on l'a téléguidé. C'est ainsi que j'ai dit au départ que Tshisekedi a mordi à la part où il n'y aura pas de changement au Congo. Bandeko, lobi tokolobe la scandale ya banani. Parce que beaucoup de scandales vont commencer à se révéler. Oya kola kisake non. Le changement ne viendra pas pour demain. Quand vous commencez à gaspiller des millions de dollars pour corrompre les députés, vous entrez dans la danse.